C'est le soir du 31 décembre. Trois inconnus se retrouvent bloqués dans un ascenseur. Et qu'est-ce qu'on fait, Thibaut, quand on est bloqué dans un ascenseur? On fait une crise d'angoisse, comme mon personnage. Maman, papa, si vous voyez ce message, c'est que je suis mort, les murs se rapprochent et on commence à manquer d'oxygène. Mais avant de faire une crise de panique, quelle est la première chose que tu fais? Ah, j'appuie sur la cloche. Voilà. Et au bout du fil, c'est Bernard qui répond. Et Bernard, c'est le réparateur. Mais est-ce que c'est vraiment que le réparateur? Il y a deux visions de ce voyage en apesanteur. Bien sûr, il s'agit d'inconnus bloqués qui vont appeler un réparateur, mais il y a aussi l'autre vision. Celle des femmes. Non, Thibaut, celle des rêveurs, des romantiques. Ces gens-là vont voir un couple se former et passer leur vie ensemble avec des hauts, des bas... Ah bah, ça tombe bien, on est dans un ascenseur. Sous le regard de Bernard. Bernard, c'est qui alors? Une sorte de dieu? Bernard, c'est ce qu'on veut. Bernard, c'est une présence divine qui va veiller sur eux pendant leur voyage. Si c'est ce qu'on veut, ça peut être... Bruce Willis? Je crois qu'on peut faire mieux que Bruce Willis. La voix française de Bruce Willis. Nous voici donc réunis devant Dieu et cette assemblée, afin d'unir cet homme et cette femme par les liens sacrés du mariage. Vous êtes toujours là, Bernard? Amen! Génial. J'ai eu le plaisir immense de lire en apesanteur, de la première à la dernière page, le temps de la lecture, car j'ai pris un plaisir fou. J'ai hurlé de rire, parce que c'est pas une pièce comique, c'est plus ça. C'est beaucoup plus que ça, c'est fin, c'est subtil, et c'est à pisser dans sa culotte, voilà. Alors donc, dès que j'ai lu la pièce, j'ai fait « Enfin !» Mais il y a au moins, je sais pas, il y a des années que j'ai pas lu une pièce comme ça. Et donc, j'ai rappelé tout de suite en me disant « Ah, quel honneur on fait de pouvoir faire le mignol là-dedans. » C'était vraiment dingue, en fait, de pouvoir diriger quelqu'un comme Patrick Poivet. Oui, et puis c'est un honneur, quoi, qu'il ait dit oui pour notre pièce. Elle lit les textos, là. Encore un peu plus choquée. Elle lit les textos, là. Ouais, mais étire un tout petit peu plus la phrase pour que ce soit un peu plus marquant. Elle lit les textos, là. Nickel. C'est un peu comme si on l'avait avec nous sur scène, finalement. Dites, vous pourriez pas venir plus tôt? J'ai vraiment hâte de vous rencontrer, Bernard. Mais moi, j'ai pas de créneau, là. Non, mais je vous rappelle que je suis enfermée avec un inconnu, là. Vous pouvez pas venir avant? Avant? On est le 31 décembre! Ils sont ouf, les jeunes!